Yo les petits potes, c'est Brekio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui je vais faire une vidéo où tout simplement j'ai créé 4 decks les gars. 4 decks, voilà, donc qui sont les 2, 3, 4, 5. Je vais tout simplement les jouer en ladder les gars. C'est des decks que j'ai créé avec seulement mes cartes maximum. Donc je vais juste mettre des cartes que j'ai pas maximum pour vous montrer toutes mes cartes max. Et hop, voilà. Donc ça c'est toutes mes cartes max les gars, voilà. Donc là j'ai tout, voilà. Et j'ai une méga chevalier aussi, faut oublier. J'ai ça, voilà, j'ai une méga chevalier aussi. Donc les gars, j'ai créé 4 decks les gars, que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai fait pas mal de trucs avec, j'ai essayé. J'ai pas réussi, j'ai fait un beau... En fait, j'ai des rushs jusqu'à 5 à 7. Après on va être monté à 5 à 2. 6k2 et bon bref, avec ces decks et j'ai essayé de faire des trucs pour essayer de monter. Et les gars, on va partir directement avec mon deck principal les gars, que j'utiliserai tout le temps. C'est parti, on va faire une game. Et c'est parti, voilà. Voilà donc les gars, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo les gars, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait. Donc on tombe sur un monsieur de Fairy Tail. Qui joue un Jean Bomber les gars. Ok, très bien, bah chacun son délire hein. Je joue un Bomber. Bah zap ça, hop tranquillement. Ok, ouf, et du GR First Play. Ah les gars, on connaît GR First Play. Normalement il met qu'un coup de GR, nickel, parfait. Le sorcier qui va aller gérer tout ça les gars. D'ailleurs les gars, dites moi les decks que vous voulez que je vous présente, comment jouer, etc. Et voilà. Oula. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, on se parle. Tac. Normalement là, si on a un petit sable, ça peut être très clean. On va prendre quelques dégâts, mais c'est pas dramatique en soi. Les gars, demain il y aura sûrement une vidéo où j'ai vraiment rush un gros top. Normalement, si je dis pas de conneries, si j'y arrive déjà, parce que je suis pas sûr d'y arriver, parce que en ce moment c'est un peu match à plan, si vous voyez ce que je veux dire. Je me tape vraiment les decks de mort. Et puis voilà. Ok, donc là il part en Jean Bomber les gars, en fond de map. Donc moi je vais juste mettre une petite Valkyrie. Ok, donc il m'ingère cette fois. On a le PK les gars, cette fois on a le PK. C'est ça qu'il faut pas oublier, parce que la dernière tout à l'heure on n'avait pas le PK. Et nous dit un good game. Alors je sais pas si c'en est un vraiment good game comme ça ou... Ok non, okay. Il la joue quand même. Très bien. J'espère que c'est nickel. Normalement là, il y a moyen de faire masse dégâts. Voilà, nickel. Donc là, on a littéralement rattrapé la game sur un coup de PK, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Donc le sorcier qui... Ok, une petite tornade. Très bien. Bien joué à lui. Ok, donc là... là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Je vais mettre ça là. Là, il va sûrement mettre encore son GR. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en cimetière gel avant qu'il puisse mettre son GR. C'est excellent qu'il mette pas son GR. Voilà, parfait. Là impossible de s'attendre. Très bien. Nous les gars, là c'est bon. Là pour l'instant je pense qu'on va faire énormément de dégâts. Voilà, on a mis la tour à 1200 HP, son GR qui ne met pas un coup sur notre tour. Et ça c'est excellent les gars. Ok, donc Lewis qui met un coup, Lewis qui met deux coups. Là il va mettre toute la daronne les gars. Là il va mettre toute la daronne, c'était sûr. Donc là on va mettre un petit PK les gars pour aller gérer ce géant royal qui va tout de même mourir. Donc là on va mettre un Lewis pour aller prendre 0 dégâts. Là on va forcer avec un cimetière les gars. Je pense pas, je vais zap en vrai. Ah, il y a un méga chevalier, très bien. Méga chevalier. Et les gars, on passe sur cette première win de monsieur, d'un monsieur qui a une... Voilà, un monsieur de Fairy Tail. Les gars, on prend 31 trophées. Ce serait... Non, en vrai, ce serait insane pour rush. On passe sur ce deuxième deck, les gars. Géant royal, double prince. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire des decks vraiment avec que des cartes que j'ai niveau max. Je crois qu'il y a un seul deck où j'ai mis un esprit de guérison que j'ai niveau 12. Mais c'est pour essayer. Voilà. Autant sur 0. Solskjaer. Il a pas de clan. Ok, petit test là. On va aller gérer son cochon. Très bien. Ok, donc la Tesla qui gère parfaitement le cochon. Ça c'est nickel.
Ok, donc on tombe sur un 2.6, les gars. Je sais pas si j'ai ma chef en vrai. Enfin, après, je sais pas, j'ai double frein géant royal, mais bon. Faut dire, à ce niveau trophée, ils savent à peu près jouer, quoi. Donc, falloir que j'arrive à bien spammer. Donc là, ce que. Ok, donc là, il va. Normalement, je prends 0 coup si je mets bat. Bat plus si oui, normalement, je prends 0 coup. Voilà, parfait. Le prince, les gars. Oh, le prince qui va les connecter. Qui met 1000 de dégâts. Qui met des grosses tatanes à 500 de dégâts, les gars. On met la tour à 1300 HP. C'est juste insane. Et on n'a pas encore joué notre win condition. Ça, c'est, je pense, impossible ici à attendre. Donc là, en vrai, j'ai juste flèche. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Ok, donc là. Bah, je pense en vrai, on va tempo tranquillement. On va jouer un petit prince ténébreux fond de terrain, les gars. Ok, donc là, il va laisser, il va pas laisser. Ah bah d'accord, on a fait rage kit, les gars. Les gars, on a fait rage kit, notre adversaire, les gars, on est à 6100 trophées. On fait rage kit avec un deck qui n'a aucun sens. Géant royal double prince, les gars. Super combat, en vrai 2.6 c'est vraiment chaud. Mais à ce niveau de trophée, j'ai déjà perdu contre des 2.6 avec des gros decks, hein, les gars. C'est juste pour vous dire qu'à ce niveau de trophée, ça rigole pas. Sinon c'est très bien joué de sa part. Malheureusement il a pas réussi à triompher contre nous. Donc les gars, on va partir sur cette troisième game avec un golem double prince, les gars, cette fois-ci. Double prince, en fait, je vais mettre un peu dans tous les decks puisque bah, c'est des grosses cartes, des gros DPS que j'ai max. Donc voilà. Donc on tombe sur un asiatique d'un clan asiatique, les gars. Ok. Donc on a 40 trophées de plus que lui. Donc si on perd, on prend moins 33. Si on gagne, on prend plus 26. Donc bon. Autant vous dire que là, je suis pas dans la sauce. Ok, on part en gobelin au fond de map, les gars. Il joue gang de gobelins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir au golem first play, les gars. Vous connaissez le skill de Clash Royale. Là, et je vais défendre tranquillement avec un Dark Prince, les gars. Normalement, ça défend bien. Ok, faut que je ferme ma gueule. Hein. En vrai, là, je sais ce qu'il joue. Il joue le deck avec les fripons, il me semble. Si je me trompe pas, donc, je vais mettre un prince. J'ai des flèches. J'attends qu'il mette. J'attends un petit peu pour voir. Voilà, nickel. Je l'avais dit, il joue des fripons, les gars. Ça, je le savais déjà. On va mettre des flèches sur ça. C'est ce mec qui est le fripon qui meurt. Bon, c'est pas grave. Les gars, notre golem là qui va faire extrêmement mal à ce monsieur asiatique avec son clan asiatique. Donc là, c'est super, les gars. On prend un avantage de taré. Ce qui serait cool, c'est de faire un full win avec, les gars. Ok, donc là, ça va. Ça c'était pas trop prévu. Ouais, on va perdre notre tour, je pense, en vrai. Là, je vois pas trop comment je peux défendre. Il a extrêmement bien joué. Il a très peu défendu. Il a gagné son exercice pour faire un contre-push. C'est ce qu'il faut faire contre Golem. C'est si vous voyez qu'il y a plus rien sur le terrain et que. Voilà, là il a extrêmement bien joué. Ok, donc on s'est tour à 400 HP. Donc là, mon but à moi, ça va être d'aller détruire sa tour qui a le plus d'HP. Comme ça, on aura l'avantage. Et si on détruit cette tour, les gars, ce sera une win quasiment gratuite. Le seul problème, c'est que j'ai absolument rien pour ces. Pour ce fuit à gobelin. Donc là, on va juste partir en golem ici. Et là, ce qui est bien, c'est que quand on golem, quand je force, si on part tous les deux same lane. Forcément, je suis obligé de gagner parce que j'ai un deck qui est beaucoup plus lourd et par conséquent, c'est mieux pour moi. Donc là, il m'a peut-être détruit en premier push, mais il a mis extrêmement beaucoup d'élixir. Enfin, c'est pas très foncé, mais il a mis beaucoup d'élixir. Et là, les gars, on a juste à spam. Normalement, ah, le prince. Ah, ok. J'avoue, les gars, il joue très bien. Ok. Bon. Il a bien joué, là on va repartir en golem. Voilà, le but c'est d'être forcé, hein. ça passe ou ça casse. Je vais mettre des petits gobelins ici, là on va juste mettre. Oh putain. Bon les gars, je pense que là ça va être une lose malheureusement. Des golems qui n'est pas niveau max. Mais c'est pas ça qui a fait la différence en tous les cas. Il a extrêmement bien joué. Alors, franchement, il a très bien joué. Après voilà, j'ai un deck golem. Dans tous les cas, après on refera une game de chaque. Voilà, donc moins 33, ce que je vous disais. On fera une game de chaque. Avec chaque deck.
Après les profils aussi, bon, et lui il est déjà allé à 6k5 avec son deck. Bon voilà, on peut dire que c'est un gars expérimenté. Et les gars, on va partir avec le dernier deck que j'ai créé, un deck géant royal avec l'esprit de soin. J'essaie de faire un petit peu des remix pour essayer de faire des trucs. Ok, donc là on tombe sur encore un clan asiatique, d'un clan asiatique encore une fois, mais je crois que c'est le clan de Fat Cat ça, je suis pas sûr, mais je crois. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là il nous sort des petits squelettes. Ok, donc là je pense on va juste placer la Tesla. Donc là le but là pour nous c'est d'atteindre l'élixir x2 pour pouvoir mettre un gros push, parce que ça je pense c'est un deck en vrai assez lourd. Ok, il joue des Dragon Skulllight. Merde, j'ai pas ma Tesla, bon c'est pas grave. Ok, donc là la Tesla qui va aller gérer les dragons. Je pense que c'est un deck GR les gars. Donc là je pense c'est un GR contre GR. Ouais, c'est un deck GR les gars, c'est sûr à 100%. J'ai pas de bon counter au GR, ça c'est le gros problème. Il y a un pêcheur. Bon, en vrai je vais juste mettre une Valkyrie je pense. Le pêcheur va tirer la Valkyrie normalement et pas Lewis, nickel. Très très bien, voilà. Et là normalement, si je dis pas de conneries, il va partir en GR. À moins que... Ok, bah c'est nous qui vont partir en GR alors. Voilà, maintenant les gars, et c'est parti là. On part sur du forcing 7000 les gars. Vous n'avez pas encore connu cette génération. Ok, donc là, nickel. Le GR qui va se faire guérir. Ça c'est parfait. Le GR qui va mettre beaucoup de dégâts. Oh le GR, oh là là, mais qu'est-ce que c'est fumé cette carte. Alors là, je pense on va s'en battre un peu les couilles du chasseur. Il va nous mettre pas mal de dégâts, mais c'est pas trop grave. Normalement les gobelins qui vont faire pas mal le taf, mais avec une bonne bûche. Et les gars, là je pense que on va prendre tarif. En vrai il a l'avantage. Il a l'avantage, mais c'est clairement rattrapable. Les défenses, je vais devoir m'organiser parce que là, je vous avoue, assez compliqué quoi. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit sorcier fond de map tranquillement. Donc lui pensant qu'il met un pêcheur de l'autre côté. Ouais, là il a extrêmement bien joué, voilà. Ça c'est un bon play ça. Là je vais mettre des flèches pour aller endommager Ok. Donc là il va laisser gratter le sorcier. Ouais, il va laisser gratter le sorcier je pense. Ok, donc là c'est un autre tour les gars de spam un peu. Chacun son tour comme on dit. Ah, c'est plus d'Elex là. En vrai il faudrait que j'arrive à défendre, ce serait super cool que j'arrive à défendre. On va mettre des petites flèches les gars. Et là les gars je pense qu'on prend la tour. Chacun prend la tour de l'autre. Donc en vrai je pense que le match va être très serré les gars. Il a raté le gobelin, donc là. Oula, j'ai fait de la dé là. En vrai je vais tenter un truc. Oh oui, dommage. Il a bien joué. Non, en vrai il a extrêmement bien joué avec son pêcheur. Le gobelin qui va aller gratter les gars. Ah non, ok, bon c'est. Bon, il n'y a rien qui va aller gratter. Là je pense très clairement qu'il va partir en GR. Ça c'était sûr à 1000%. Il va mettre les Dragon Skeletons. Très bien. Le petit nickel. On a pris 0 coup de GR les gars. Si on fait tout le temps les dé. Il pourra jamais faire les défenses clean les gars. Il va toujours devoir se prendre un coup. Et ça serait cool qu'on arrive à gratter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Je pense en vrai là j'ai bien joué. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Là je pense j'ai beaucoup trop forcé les gars. Je pense que j'ai beaucoup trop forcé. En vrai la Valkyrie. Oh la Valkyrie, attends là. Attends la Valkyrie là frère. Non. Pas comme ça Zinedine. Non. Allez. Allez dragons qui vont faire très très mal les gars là. Je vais devoir jouer un sorcier comme ça. Je vais attendre les 10 d'Elex là. Ok, là, c'est maintenant ou jamais les gars. Oh il a trop bien pré-shoot le bâtard. Oh le bâtard il a très très bien pré-shoot. Il a très très bien joué là. Là je vais mettre une Tesla là, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Ça va être une game extrêmement tendue les gars. Comme vous, je pense vous le voyez là, c'est bien Tandax. Ok, donc là je pense c'est comme ça qu'il faut faire. Oh oui les gars. Oh les gars là je pense là en vrai je pense que GR il peut me faire win les gars. Oh les gars. Oh. Et les gars on part sur cette win. Oh c'est insane. Oh je viens de battre un deck GR là.
Un GR bien méta là. Oh là là, ça fait plaisir. J'ai extrêmement bien joué à la fin. J'ai mis la Valkyrie Pipa pour pré-shoot le pêcheur. Dans tous les cas, je crois qu'il avait vérifié, il avait raté son pêcheur. Voilà, donc avec méta, avec un plutôt beau profil, un record à 7K, voilà, top 1200 monde, les gars. Un très très bon joueur qui a déjà fait une victoire en super défi et 10 victoires en défi classique ou plus d'ailleurs. Et les gars, on va refaire un tour de chaque deck pour l'épisode 2 plutôt, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et d'ici là, je pense que j'aurai maxé d'autres decks, donc j'essaierai de faire deux présentations de deck, les gars. Et sinon, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. Ciao.